Déclaration choc, Premier ministre Gary Conille qui nous a fait entendre là, devant tout blanc, que ce soit français, américain ou canadien. Eh bien, Premier ministre Gary Conille voit un message ça bay tout bandit, tout nèg qui gen zam nan men illégalement, commencer à acheter ses cailloux, mettez là, parce que dans les jours à venir, mesdames et messieurs, pral gen rel nan pays ça, pral gen crier. Pral bon nettoyage kap fèt nan peyi sa, on dirait que c'est pour la première fois Haïti pral konnen, eh bien, moment de nettoyage sa, parce que gen pil rejè, gen pil vagabond, vagabonde, kap bay problème nan peyi ya, Gary Conille sermente devan blan, il pral lave peyi sa, il pral nettoyer Haïti, il pral purifier peyi sa, parce que Haïti malade, Haïti besoin guérison, Haïti besoin la paix, mesdames et messieurs. Et pour gagner la paix, il faut que la police ak la médaille prêt pour une bataille face à nèg armé sa yo kap sime la troublai dans pays a. Pas oublier jodi a qui c'est 12 juin 2024 là, c'est jodi a que premier ministre enfin installé dans tête pays a comme nouveau premier ministre pays d'Haïti. Eh ben jodi a là pas gagné et à sortir de là pays a, mesdames et messieurs, sous route pour décoller. Parce que le pays a été bloqué. Et c'est nèg exam mêlé ak politicien bourgeois. Eh ben, qui te bloqué pays ça, insécurité partout dans tout pays ya, nèg pa ka sirkile, tout institution l'état yo, tout commissariat presque fin krasé, et c'est nèg exam qui krasé. Eh ben, jodi a, Gary Conille même qui pote un vent de changement pour pays ça, quand il fait déclaration choc ça yo, eh ben, sous pays ya. M'en dit là, commencé à acheter ce que nous, mettez là, parce que Gary Conille, monsieur pral mette bagay nan pied nous, pral mette bagay nan men nous. On écoute pour plus de détails, n'a pas tourné. Merci à tout le monde, tout le groupe, à one bagay. Que ce soit dans la société civile, parce que tout notre pays, nous te recommandons ma soutenue candidature pour poste premier ministre. Soit à la montée, je vais pas. Nous mettons quoi, moi pas faire nous honte. Faut que moi dis nous, tout, faut que moi dis tout, un gros merci à conseil présidentiel qui t'a accepté tendez ça me porter dans jacout moi et puis choisi dans mitan quatre autres compatriotes qui gagne en pile qualité et mérite tout. Compatriotes haïtiens moi yo, nous pas de cacher maladie pays a. Maladie nous. Faut que nous reconnaître nous pas porter le bien même. Nous façon et nous faire une façon qu'on ca chercher remède pour lui. Dans l'état hier, faut que nous chercher plus bon médecin feuille à plus bon médecin moderne pour nous ca sauver. Mais bonne connaissance ça pas suffit. Faut que nous bon tout la volonté nous. Et faut que nous bon tout l'honnêteté nous. C'est vrai, depuis le créé, le pays a toujours un bouleversement politique. Il y a toujours un plus fort monde dans la population, il a mis dehors, même dans le pays. Le groupe qui peut souffrir, généralement, c'est le paysan. Il y a toujours un problème social. Mais je viens de dire, après plus passé 200 ans, société noire gagne net. Nous ne pouvons pas vivre dans la paix. Nous ne pouvons pas circuler libre. Si nous ne pouvons pas aller à l'école, machin, ne pouvons pas vendre des produits pour prendre soin de la famille. Bandit, a marché tout le monde, l'œil ouvre, j'en ouvre. Ça fait nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Seul l'espoir jeune nous, c'est quitter le pays pour y partir. Même le qu'on est l'autre bord pas douce, pays étranger pas paradis, yo di ou y a qu'à jeune travail et puis vivre tranquille, qu'on s'appétit yo a bien plus chance pour monter dans l'échelle sociale là. Moi comprendre et moi entendre. C'est pour ça moi là avec nous aujourd'hui. Mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est avec une profonde humilité
et une grande responsabilité que je me tiens devant vous en tant que le nouveau Premier ministre de la République d'Haïti. En ce moment crucial de notre histoire de peuple, alors que nous traversons une crise sanitaire, humanitaire et de gouvernance sans précédent, je ressens le poids de la tâche. En cette heure solennelle d'intenses émotions et de dépassements, je tiens à saluer le sens hautement patriotique du Conseil présidentiel. Ils ont transcendé les clivages et les sensibilités politiques, ainsi que les intérêts partisans, pour m'accorder leur confiance sur des questions vitales qui tiennent tant à cœur la nation souffrante et impatiente. Je tiens aussi à remercier le Premier ministre sortant, M. Patrick Boisvert. Traversant avec un courage exceptionnel l'épouvante solitude de la primature, il a dominé le jeu politicien et la rumeur des fractions pour poser son empreinte. Celle d'un homme d'État serein et sensible, voit au service d'autrui à la République. C'est avec le sentiment du devoir magistralement accompli au bénéfice des populations haïtiennes qu'il rentre aujourd'hui sur la tente pour un repos bien mérité. Mes chers compatriotes, Haïti est confronté à des défis majeurs. Les violences et l'insécurité paralysent notre quotidien. Les crises humanitaires exacerbent les souffrances de nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'instabilité politique sape les fondations mêmes de notre société. En reconnaissant ces réalités douloureuses, nous devons trouver en nous la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Comme le disait le philosophe grec Héraclite, le caractère de l'homme est son destin. Nous devons faire preuve de courage et de détermination, car c'est dans ces moments de crise que se révèle le véritable caractère d'une nation. Je crois fermement qu'ensemble, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour rebâtir notre pays sur des bases plus solides et plus justes. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, par l'entremise du Conseil présidentiel de transition, nous avons signé un contrat collectif avec le peuple haïtien pour matérialiser l'accord du 3 avril 2024 qui prévoit un ensemble de grands chantiers. La sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la sécurité alimentaire et sanitaire, la conférence nationale et la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice, ainsi que les élections pour le renouvellement du personnel politique. Ce paradigme du changement irriguera toutes les artères de l'action gouvernementale. Il inspirera et illustrera notre posture et tous les actes que nous serons appelés à poser à la tête du gouvernement. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les ministres, de participer vaillamment à cet effort commun pour promouvoir et alimenter cette culture du changement dans les sphères d'activité relevant de vos compétences respectives. Oui. Notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Et nous veillerons à ce qu'ils disposent d'outils nécessaires pour accomplir leur mission avec efficacité et professionnalisme. À ce propos, en ce jour de la célébration du 29e anniversaire de la police nationale, je demanderai à l'assistance de se mettre debout pour observer une minute de silence en l'honneur des 3 policiers lâchement assassinés dimanche dernier et aussi à toutes les victimes de la violence des dernières années. Je vous remercie. Je disais donc la sécurité d'abord, mais nos ambitions ne peuvent s'arrêter là. Pour assurer la pérennité de nos démarches en vue de sécuriser notre nation,
nos institutions étatiques doivent être assainies et renforcées. Nous entreprenons donc les réformes transitionnelles nécessaires pour garantir leur efficacité et leur intégrité. La lutte contre la corruption sera une priorité absolue de mon gouvernement. Nous devons rétablir la confiance du peuple haïtien dans ses dirigeants et ses institutions. Cela implique une transparence totale dans la gestion des affaires publiques et une tolérance zéro envers la corruption. Nous instaurons des mécanismes de transparence et de responsabilité dans toutes les sphères de l'administration publique. Des audits réguliers seront réalisés pour garantir la bonne gestion des ressources publiques. Nous devons faire en sorte que chaque gourde dépensée, qu'il le soit de manière judicieuse et au bénéfice de la population. Parallèlement, nous favoriserons le dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes de la société haïtienne. Nous devons travailler ensemble, écouter les préoccupations de chacun et trouver des solutions communes pour notre avenir. Nous lancerons des initiatives pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir la paix. Il est essentiel de restaurer la confiance et la solidarité entre les citoyens pour construire une nation unie et résiliente. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Nous veillerons à ce que ce conseil soit composé de personnalités intègres, crédibles, compétentes et non partisanes, capables d'organiser des élections qui reflètent véritablement la volonté du peuple haïtien. Les élections à venir doivent marquer un nouveau départ pour notre pays. Au grand chantier sécuritaire et politique devra certainement s'ajouter la relance de notre économie. Elle est indispensable pour offrir à notre peuple les opportunités qu'il mérite. Nous mettrons en place des politiques économiques visant à créer des emplois, attirer des investissements et soutenir les petites et moyennes entreprises. Nous devons revitaliser notre économie en exploitant nos ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Une économie robuste est le fondement d'une société stable et prospère. Chaque citoyen doit avoir accès aux services essentiels pour mener une vie digne et productive. Nous nous engageons à mettre en place des balises pour améliorer l'offre de services de base tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. L'éducation est la clé de notre avenir et nous devons investir dans notre système éducatif pour préparer nos enfants à un avenir meilleur. De même, un système de santé solide est essentiel pour le bien-être de la population. Nous devons y travailler urgentement et sans relâche. Le système sanitaire haïtien ne peut pas rester l'otage de la conjoncture. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions d'habitants, est en situation d'insécurité alimentaire. Les enfants et les femmes étant les plus touchés. Combattre l'insécurité alimentaire est aussi une priorité pour mon gouvernement. Personne ne devrait souffrir de la faim dans notre pays. Nous travaillerons à améliorer la production agricole locale et à mettre en place des programmes de soutien pour les plus vulnérables. Ces programmes incluant la distribution de denrées alimentaires et l'éducation sur les pratiques nutritionnelles saines. Distingués invités, les attentes de la population sont énormes et elle ne peut plus attendre. Le gouvernement doit immédiatement passer à l'action dans la poursuite accélérée des objectifs identifiés et ciblés. Chacun de nous mesure déjà la haute portée patriotique de la mission à lui confier et l'ampleur de la besoin à abattre. Évidemment, l'accompagnement de la communauté internationale sera essentiel. Cependant, cette coopération doit être basée sur le respect mutuel et l'intérêt commun. Nous devons définir ensemble les modalités d'un soutien efficace qui respecte notre souveraineté et nos priorités nationales. Comme l'a si bien dit Jean Jaurès,
l'esprit de solidarité est une force plus puissante que les armes. C'est cet esprit de solidarité internationale qui nous permettra de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés et de construire un avenir meilleur pour notre nation. Le dernier mot de mon allocution sera une note d'espoir à l'adresse de la nation haïtienne qui soupire depuis trop longtemps dans les ténèbres de l'ignorance et de la pauvreté. N'appelons des peuples haïtiens pour ne pas perdre la foi dans l'avenir. Parce que l'el pi fait noir, c'est jour pour l'ouvrir. Pour soleil la vie, nous et bada. Je dis nous, ça a fausse conviction. Nous sommes un peuple qui fait l'histoire, le monde changer. Nous sommes pas un gros peuple sous la terre. C'est piti, mais nous pas piti. Depuis le peuple qui a des fiertés, depuis qu'il y a une force à dignité, depuis nous avons à la tête, nous, leader qui a une vision et qui jam, n'a pas arrivé loin. Pour moi-même, je nous garantis que je suis paré pour me goûter. Pays a tout paré pour me goûter. Pays a tout même pour me courir le conseil présidentiel là, le travail a fait pour tout haïtien qui vit à cœur posé dans un pays qui est uni, qui gagne sécurité, côté nous tout ensemble à poté coller pour établir nation. Je lui demande de garder la foi en l'avenir, car la nuit la plus longue et la plus noire n'empêche pas le soleil de se lever. Je lui redis avec force et conviction, pour l'avoir vu partout à travers le monde, d'avoir un grand territoire ou une grande population, ce qu'il faut pour être un grand peuple, c'est la grande conviction et le grand engagement. Il suffit à notre peuple d'être habilité par les valeurs qui doit être conduit par un chef avisé et dynamique qui sache lui poser de grandes ambitions. Pour ma part, je veux lui garantir de ma ferme détermination et de ma totale disponibilité à m'acquitter de ma tâche pour son plus grand bien et d'appuyer sans faille le Conseil présidentiel de transition dans sa quête de bien-être collectif et dans sa grandiose entreprise de fondation nationale. Frères, sommes haïtiens tout partout sur la terre. Moi, je voulais couper bien bas pour nous remercier pour la confiance nous placer dans moi. Dans un moment difficile, ça, côté l'espoir, tu veux faire. Nous avons une mission pour changer ça avec le peuple. Femme, jeunesse, là, diaspora, tout haïtien à la one badé, tout côté sous la terre. Nous allons faire ça capable pour faire lumière, vivre, pour faire l'espoir bourgeonner. Moi, je voulais prêter parole pour être René Philoctète, qui t'a expliqué toute raison qui fait lui attacher à Haïti, pour m'ajouter que c'est parce que l'inspire nous et nous fait croire que pas grand rien qui est impossible, nous mettons tête nous ensemble. Merci beaucoup.